la ville de Jérusalem au cœur d'une nouvelle bataille diplomatique. En cause, l'adoption prochaine de deux résolutions de l'UNESCO visant à protéger le patrimoine culturel palestinien de Jérusalem-Est. Une distinction qui a suscité colère et réprobation. Pour Israël, l'UNESCO passe sous silence le lien historique entre le peuple juif et le mont du Temple. Le théâtre de l'absurde continue à l'UNESCO, explique le Premier ministre. Aujourd'hui, l'organisation a adopté une autre décision délirante qui dit que le peuple d'Israël n'a aucun lien avec le mont du Temple et le mur des Lamentations. Les deux textes ont été adoptés jeudi en commission, mais pour être validés définitivement, ils doivent encore être soumis au vote du Conseil exécutif mardi prochain. Le délégué palestinien conteste les critiques d'Israël. Israël prétend que dans cette décision, les Palestiniens et le groupe des pays arabes dénient l'importance historique de la vieille ville de Jérusalem au peuple juif. En réalité, si vous lisez le troisième paragraphe de la décision, vous verrez que cela part d'une reconnaissance de l'importance historique pour les trois religions monothéistes. Washington s'est opposé à la rédaction de ces résolutions. Lorsque la Palestine a été admise à l'UNESCO en 2011, Israël et les États-Unis ont cessé de verser leurs contributions financières à l'organisation.